Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale, nous espérons que vous allez bien, petit live de débrief car on a eu un week-end magnifique avec le deuxième monument de l'année, le Ronde 2 qui s'est passé hier, euh, une très belle journée, une très belle course, on va revenir tranquillement dessus, mais également, puisqu'on n'a pas eu le temps de vous faire une preview spéciale, on va glisser ça sur la deuxième partie d'émission, une petite preview du Tour du Pays Basque, Itzulia, euh, bah qui va se tenir cette semaine et on peut noter un plateau de favoris et outsiders assez exceptionnel sur un terrain qui, on le sait, chaque année euh, apporte du beau spectacle. De ce fait, il est important pour nous de vous présenter cette course. Mais dans un premier temps, on va parler de ce qu'on a vu hier, la magnifique victoire de Mathieu Van Der Poel qui va chercher son troisième sacre sur le Tour des Flandres, son troisième monument en un an également. Et pour m'accompagner ce soir et parler de tout ça, Loïc, salut Loïc, comment vas-tu Écoute, ça va, euh, je viens de me faire casser les jambes euh, par un trailer, que <laughs> que j'ai pété, pété mes pédales euh, ce week-end à l'entraînement et je devais courir aujourd'hui, et du coup je me suis dit bon, on va aller courir un peu, et bah, j'ai rencontré un ultra-trailer de je sais pas quoi, et il m'a embarqué pour 30 bornes. Okay. Du coup là je sens plus mes jambes, et euh, j'espère euh, survivre le reste de ma semaine pour pas trop marcher comme un crabe. Quoi. Ok, euh, Loïc, tu veux dire que tu n'as pas fait honneur euh, aux Pays-Bas comme Mathieu Van Der Poel a pu, a pu le faire hier ah non, bah, je suis pas encore sponsorisé par Look, donc là, j'ai pas de pédale. Et comme c'est fait aujourd'hui, j'ai pas pu pas pu en choper. Et en course à pied, il faut que je me mette au trail. Quoi. Ok, très bien, on note. Euh, pour nous accompagner également ce soir, celui qui a failli ne pas être là, mais heureusement, on a pu lancer le live plus tôt pour avoir son incroyable présence. On sait qu'il adore parler de Mathieu, Mathieu Vanderpool. Ça aurait été dommage qu'il ne soit pas là pour parler de son idole. C'est Titien. Salut Titien, comment ça va Salut Théo, salut Loïc, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Écoute, quoi demande le peuple? Une magnifique victoire de Mathieu Van Der Poel avec le meilleur champion du monde. Et puis on prolonge ça avec une belle semaine au, au Pays Basque et avec Paris-Roubaix dimanche prochain en, en, en point d'orgue finalement de, de ça. Donc une super période de vélo avec euh, mon coureur préféré qui, qui en met partout. Donc euh, non, non, je suis très heureux. Alors Titien, avant qu'on attaque et qu'on rentre dans le vif du sujet sur ce round 2, j'ai une question à te poser. Les gens ne le savent pas, mais nous en interne, on le sait, Loïc, tu d'ailleurs tendu une paire sur hein. euh, l'émission que vous avez faite la semaine dernière. Euh, ton chien avait misé... Wout Van Art sur la victoire du Ronde. Euh, petite question, Titien. Est-ce que tu avais marabouté, parce que tu avais mis deux images, une friandise sur chaque image, tu as fait sur la vidéo, genre, choisis celui qui va gagner, mais est-ce que tu n'as pas coupé et tu as mis choisis celui qui doit aller au tapis pour laisser gagner l'autre Parce que ton chien a choisi Van Art quand même. Donc moi, j'ai bien réfléchi à cette vidéo et je me demande si tu ne nous as pas menés en bateau et si tout ça n'est pas un peu ta faute. Eh merde, ouais, j'avais appelé, j'avais appelé Paul Pogba pour avoir des petits conseils, mais malheureusement, voilà, ça, ça a fait du mal à Wout, hein, donc, mais bon, voilà, on va... évidemment, on n'a pas mis la vidéo en ligne puisque le jour où on a fait ça, à Wout, il s'est fracassé, mais oui. peut-être que du coup, effectivement, je l'ai pas dit à l'équipe, mais. Mais j'ai fait en sorte que Mathieu Vanderpool soit seul au départ euh, dimanche. Non, non, mais évidemment, jamais j'aurais voulu que ne soit pas là. Voilà, c'était comme ça. Mais mais écoute, voilà, Vanderpool il a gagné, donc euh, voilà, le chien il est il est bien triste de tout ça. Et moi, je suis bien content. <laughs> bien évidemment et pour la, la forêt, non? <laughs> oui ça, oui, oui bah depuis depuis je les non, non j'ai pas envie de faire des blagues sur les abandons de chiens hein. c'est quand même pas un truc qu'il faut mettre en avant donc non il est il est toujours là il est toujours là en tout cas euh, on était parti pour lancer une petite série genre les pronostics de petits chiens et en fait euh, il nous a coupé là sous le pied des, des son premier ouais, je sais pas, je sais pas <laughs> si on va se relancer là dedans parce que s'il fait tomber tout le monde à chaque fois euh, voilà on va, on va espérer que les les start list restent denses euh, au départ des courses Salut messieurs, salut Panda, salut Simon, salut Tony, oui Tony, grâce à nous tu peux développer ton second degré et je pense qu'à long terme tu vas nous remercier car c'est quand même une capacité assez importante dans les échanges humains. Messieurs, sans plus attendre, on a une petite liste du coup de sujets que j'ai relevés et dont on va discuter ce soir. Bien évidemment, on a eu la course hier, je sais pas si ça vaut réellement le coup de revenir en détail sur ce qui s'est passé, en tout cas on va pouvoir aborder certains points qui vont nous permettre de parler des différents faits de course. Donc on va pas faire en linéaire, mais on va faire en règle générale. Bien évidemment, la première personne dont on va parler, c'est Mathieu Van der Poel. Mathieu Van der Poel qui s'est imposé. Mathieu Van der Poel qui a dit à la fin qu'il n'était pas dans son meilleur jour. Mathieu Van der Poel qui à un moment on a cru qu'il allait être un peu juste, peut-être pas aussi fort que d'habitude. Mathieu Van der Poel, on nous avait dit dans les commentaires quand on parlait d'une potentielle Pogachar, mais jamais il attaquera à 80 km de l'arrivée. Alors il n'a pas attaqué à 80, mais voilà. Mathieu Vanderpool s'est imposé en solitaire, euh, après une échappée de presque 40 km, un tout petit peu plus je crois. Une avance qui aurait pu être encore plus conséquente s'il n'avait pas relâché sur la fin. On voit une minute d'avance sur euh, ses concurrents. Je vais vous mettre tout ça en détail tac, sur la scène. Mathieu Van Der Poel qui va chercher son troisième tour des Flandres à seulement 29 ans. Une magnifique victoire en solitaire avec le maillot de champion du monde sur les épaules, le vélo dans les bras à l'arrivée. Messieurs, vous qui adorez euh, Mathieu Van Der Poel, je vous laisse la main, vous allez en parler mieux que moi. Bon moi je pense qu'il faut Vanderpool il a été incroyable, il a fait pff, un solo mais bon il n'a pas été aussi euh, fort qu'on le pensait au début. Moi je pensais vraiment que à 60 bornes ou 80 bornes il aurait déjà tout défoncé mais finalement il a fait que ça à 45 km. il a été gentil au début on s'est dit euh, ah, en fait c'est papa qui va faire son petit tour de vélo et il, a tombé, <laughs> il laisse les gamins un peu derrière et après il va faire du tempo quoi. Il a, c est, c est, il, il s'est il a commencé à attaquer. Il s'est dit, oh, j'ai commencé à appuyer sur les pédales sur la fin. Non, c ça a été, il a été stellaire quoi. Enfin, il était super fort. Après, euh, pff, franchement, on a, pff, enfin, la course moi, elle a été vachement euh, dé. Euh, enfin, j'ai eu beaucoup moins hâte euh, à cause de la grosse chute qu'il y a eu quoi. Il y a eu tellement de personnes qui, qui étaient dedans et c'est vraiment des images que j'ai eu du mal à voir, je trouve. Et euh, bah, ça m'a tout de suite un peu moins euh, donné envie de regarder le rond 2, mais finalement on a une super édition. Enfin, moi j'ai quand même euh, bien pris mon pied. Si on avait enlevé Vanderpool, ça aurait été une super course. Ouais, je pense quand même qu'il a été très fort, parce que si on remarque, euh, les conditions météo étaient dantesques. Euh, C'était vraiment un round pas facile. Bah, on a vu ce qui s'est passé dans le Copenhague. Et je pense que sur ces courses-là, euh, en fait, euh, quand tu fais un gros effort, ensuite tu peux le payer cash. Et on le remarque euh, Vanderpool, il attaque à 50 km de l'arrivée dans, dans le Quarmont. Je crois qu'ils sont 5 ou 6 à lui emboîter le pas. C'est 5 ou 6 lui lui emboîter le pas. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait un seul qui finisse dans le top 10 à l'arrivée en fait. Parce que on remarque que tous ceux qui ont fait un effort tôt dans la course euh, l'ont payé. Et lui finalement c'est le seul qui a réussi à, à rester sur ce rythme du, enfin, tout du long. Quoi. Et puis il se relâche dans le dernier kilomètre, donc il finit qu'avec une minute d'avance, mais il mais n'y a quand même pas eu photo pour les autres. Alors oui, c'est vrai que voilà, il n'était pas non plus euh, voilà, cette possibilité, je pense, de partir si loin de l'arrivée, mais... Mais il a quand même fait une performance et c'est le premier round hein, où il finit en solitaire tout seul. Donc, euh, non, c'était quand même très, très fort parce que ceux qui ont essayé de le suivre, c'était ceux qu'on attendait comme les principaux outsiders et ils ont fini très loin. Donc, euh, ouais. Pour moi, une super performance de, de Mathieu Van Der Poel qui a montré en tout cas que allié, euh, allié technique et force, bah ben voilà, il était, euh, enfin, le, le ronde, c'est vraiment sa course et il m'étonnerait pas que là, il a, il a égalé le record de victoire du ronde détenu par des. Par des bonnes, comme chez Lara, et autres, ça m'étonnerait pas que voilà, il a que, il a que 29 ans, que à, voilà, dans les prochaines années, il puisse, euh, il puisse battre ce record et devenir l'unique détenteur de, de victoire, nombre de victoires de du ronde. Donc euh, voilà, moi je trouve qu'il a quand même fait une super course et que c'est vraiment la course qui si le plus à, à ses qualités. On a vu l'an passé que lorsque Tadej Pogacar était là, ça pouvait être compliqué pour lui. C'est sûr que si Tadej Pogacar se ramène pas, alors. Malheureusement, on ne saura jamais cette année si Wout aurait pu ou non euh, le concurrencer jusqu'au bout, sachant qu'en plus, comme on l'a dit, hein, il n'avait pas non plus l'air, même si sa performance est exceptionnelle, il a dit qu'il n'était pas dans la forme de sa vie, et il ne nous a peut-être pas montré autant une, une impression de puissance, parce que, ok... Euh, son attaque dans le Kopenberg est, est, est magnifique et haute, mais voilà, il sort que entre guillemets, euh, je sais pas, il avait quoi 8, 9 secondes, 7 secondes, je crois, devant devant euh, Jorgenson oui, dont on ouais, parlait tout à l'heure. Donc euh, voilà, on, on peut on peut se dire que normalement à Vanderpool, et on avait vu à l'époque, c'était il, il y a deux ans, où il, où il bat Taday Pogachar, euh, lorsqu'il part à 3 avec Madois et Pogachar et, et, et Vanderpool, c'est des écarts plus grands qui se créent. Donc il n'avait pas non plus peut-être la patate qu'il pouvait avoir en tout cas euh, dans les monts euh, sur les années passées mais par contre euh, après sur, sur le plat ou autre euh, je veux dire dans euh, le, le secteur pavé qui a juste après euh, le koppenberg là il est euh, et, il est magnifique euh, et on voit la différence comme tu l'as bien dit Titien hein, avec ce qui a pu se passer pour euh, Jorgensen qui a complètement explosé après euh, c'est sûr qu'on peut se dire que si un gars comme Tadej Pogacar vient pas sur le rond toutes les années là, euh, Mathieu Van Der Poel, au vu de son niveau euh, il peut exploser le record actuel on peut même imaginer qu'il ait en charge 5 6 enfin, voilà c'est une course qui lui correspond parfaitement même si j'ai quand même l'impression que alors c'est un cyclo crossman et tout on le sait Vanderpool, mais j'ai quand même l'impression que le mauvais temps c'est pas ce qu'il préfère ça me rappelle aussi le Paris-Roubaix euh... enfin euh, oui c'est ça que gagne son Nicole où il est euh, il est dans le groupe et tout il paraît super fort mais euh, mais voilà le, le temps est pas incroyable il est même complètement pourri et, euh, et c'est pas ce qui lui réussit le plus c'est assez fou pour un crossman, mais malgré tout, il était quand même largement au-dessus de tout le monde hier. quoi. Bah, après, il a aussi énormément... Enfin, il n'a pas fait tant de jours de course que ça sur euh, cette année, mais après, il avait sa saison de cyclocross avant. Et bon, il a fait quand même des, des gros solos euh, sur euh, toutes les courses euh, qu'on a vues là sur ces dernières semaines. Donc c'est normal qu'il soit un peu fatigué. Euh... Après, euh, il dit à la fin, oui, je suis fatigué, je suis free. Euh... Là, il va partir en Espagne sur Paris-Roubaix. Euh, on va, on va aussi voir ce que ça donne sur Paris-Roubaix, mais je pense qu'il sera en très très bonne forme vu comment il choisit ses pics de, de forme. Pour moi, ça, ça me fait, ça me fait pas trop peur. Je pense qu'il va, va récupérer là pendant une semaine et il sera en super forme à nouveau. Tout à fait, on aura l'occasion de reparler de lui assez vite, Monsieur Van Der Poel cette semaine. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour sur le, le vainqueur d'hier Est-ce que vous voulez rajouter des petites choses non, bah écoutez, euh, je ne veux pas dire que le début de saison est excellent, en tout cas il est déjà réussi, voilà. Euh, je ouais. pense qu'avec un deuxième monument, dans, enfin en tout cas il va encore disputer Roubaix, euh, Lamstel et Liège, un des... une des trois courses en plus, et on pourra dire que vraiment c'est un... un incroyable, enfin excellent début de saison. Donc en tout cas, il est, comme, comme il l'a dit lui-même, c'est réussi, et il n'y aura pas de pression pour les prochaines courses, et... et je pense que voilà, sur ces trois courses, il peut encore en accrocher au moins une. Donc euh... voilà, euh, il court pas beaucoup Mathieu van der Poel, mais... mais euh... Mais il n'y a pas besoin de beaucoup courir pour lui pour, pour aller chercher des, des grands succès prestiges. Tout à fait. Alors, messieurs, dames, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like pour référencer le live le mieux possible. Et comme d'hab, qu'on soit nombreux et nombreux à se retrouver pour discuter vélo ensemble. Pareil, euh, vous savez, on vise les 2000 abonnés. Alors, si vous nous découvrez, je crois qu'on est 1996 à l'heure où on parle. Ce qui veut dire que potentiellement, on pourrait passer les 2000 ensemble lors de ce live ou plus tard dans la semaine. Mais si vous nous voyez en replay ou si vous arrivez maintenant et que vous ne nous connaissez pas et que vous n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour qu'on passe cet objectif dès 2000, ce serait exceptionnel. Messieurs, deuxième point que j'avais soulevé. Alors j'hésitais pour aborder en premier Visma ou Pedersen, mais je pense qu'il faut quand même qu'on aborde en premier sur ce deuxième point euh, la, la tactique de la Lidl Trek et notamment de Mats Pedersen, euh, qui a fait beaucoup parler. Alors est-ce que Mats Pedersen, qui malgré tout a quand même semblé fort parce qu'il passe, c'est un des seuls qui passe sur le vélo dans le Koppenberg, il passe troisième euh, au sommet. Est-ce que... Il a fait le bon choix. Est-ce que de toute façon, il était cramé et qu'il n'allait pas pouvoir suivre Vanderpool Est-ce qu'on le saura jamais si potentiellement il pouvait le faire euh, Qu'avez-vous pensé de ce qu'il nous a proposé et plus globalement, du coup, de la tactique de son équipe Parce que, alors, est-ce qu'il l'a fait par lui-même c'est-à-dire qu'on lui a dit dans l'oreillette, arrête, tu déconnes, Mats, arrête ça. Il a continué, ce qui me semble quand même un peu étrange, moi. Ou est-ce que c'est vraiment la Lidl Trek qui avait un plan avec, euh, avec cet échappé qui nous a fait de, de près de 30 km, là, à deux, avec Vermiche sur le porte-bagage, euh, avant d'être rattrapé, puis forcément avalé par, par le peloton, parce qu'il euh, qu avait laissé beaucoup de force dans la bagarre bah, Je pense que Pedersen, il a, il a tout de suite senti qu'il n'était pas forcément. Euh dans la forme de sa vie sur la course, je pense que ça, ça peut être lié à la chute, ça peut être lié à beaucoup, beaucoup de courses. Ça, on, je pense que c'est plutôt... Je un peu plus sur la chute, mais euh, en fait, euh, il part et il se dit, bah si ça passe, ça passe, et tant mieux, mais je, je lance mes, mes cartes. C'est-à-dire que des fois, quand tu te sens un peu moins bien sur une course, tu peux te dire, bon, je vais essayer de prendre un peu d'avance et voir comment, comment ça se passe, si je me refais reprendre ou pas, et sur un coup de chance, je, ça peut passer. Euh, après... Euh, moi, j'ai eu du mal avec sa tactique. J'ai l'impression qu'il a dépensé énormément d'énergie et qu'en en fait, bah, tu vois bien où il finit. Enfin, il finit euh, pas du tout à la place où on l'attendait. Euh, merci. Bon, justement, sur une fantaisie. on en parlait. <laughs> on a tous eu du. <laughs> on s'est dit, bah, pour ceux qui avait mis, on a dépensé 1200 points pour pas grand-chose, même pour rien du tout. Euh, donc, euh, pff, non, pour moi, c'était une tentative un peu. Euh, le couteau sous la gorge, mais je me disais, il, il a peut-être senti qu'il n'était pas dans la forme de sa vie et qu'il a, il a tenté un coup de bluff et un coup de. Enfin, il a lancé les dés, quoi. Il dit, c'est dit, sur un soir malentendu, ça passe, quoi. Et pour toi, tactique d'équipe ou vrai choix de sa part, à un moment, il a débranché l'oreillette, il a dit non, vas-y, je l'attends comme ça et, et Zou ouais, Je pense que c'était. Enfin, euh, justement, la, la, sur la, la course féminine, justement, on en parlait sur une émission, là, il n'y a pas très longtemps. Enfin, en fait, ils, sur le rond de féminin, ils ont fait une tactique superbe à Leader Trek. Après, bon, c'est pas du tout les mêmes équipes, mais euh, moi, je me suis dit, bah, ils ont essayé quelque chose, euh, il leur restait plus grand monde. Je pense que tu peux pas partir en solo sur 30 km sans, sans que l'équipe soit d'accord. Enfin, ça, ça m'étonnerait, je l'ai pas vu débrancher son oreillette parce qu'on lui gueulait trop dessus. Ouais, bah... Enfin, très sincèrement, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il est devenu un peu fou hier. Enfin, j'ai, il a, il a, pété un câble. J'ai vraiment pas compris. En fait, en fait, cette, cette, tactique, elle aurait pu s'expliquer. Même l'anticipation, au bout d'un moment, ça, c'était pas une excuse parce que il voyait bien que il se passait. fin. il aurait fallu qu'il y ait une dizaine de coureurs qui partent avec lui. Et, enfin, j'ai pas trop été étonné par des mouvements assez tôt dans la course, mais, mais surtout, il y avait. Aucun coureur pour qui pouvait faire le travail, c'est-à-dire que derrière, il n'y avait que Tom skins Finalement, euh, Jonathan Milan, on a vu assez, on savait de toute façon que ce serait une course très dure pour lui. Et, et derrière, il n'y avait que Tom skins sans l'absence de Kier et Steven qui pouvait être fort. Mais, mais tu te sacrifies pas comme ça pour un Tom skins qui, dans tous les cas, tu le sais très bien que, en fait, ça n'avait pas de sens euh, cette technique. et Je pense qu'il l'a reconnu après. Après, la, la, après la, son interview daprès de, de, course il a dit voilà, effectivement, j'ai fait un peu n'importe quoi, et moi, c'est ce que je pense. C'est très sympa niveau, niveau animation de course, mais là, pour le coup, ouais, non, il a très mal couru, surtout que finalement, on voit qu'il avait des. Malgré sa chute oui, de, de, à travers les Flandres, voilà, il est, à mon avis, s'il jouait bien, il avait le top 10 dans les jambes, donc euh, la victoire, je pense que ça ne l'aurait pas fait, mais non, mais pourquoi après, pas euh, bon, est -ce... dans ce groupe qui arrive pour la. En fait, il. Il a, même pas, il a ni joué pour faire une place, ni joué pour gagner. Parce que dans tous les cas, sa tactique, elle était perdante. Donc, euh, ouais, je sais pas. Là, je pense qu'il voilà, s'est trompé. Ça, ça arrive. Et, je sais, il, il a peut-être un petit peu débranché le cerveau. Je n'ai pas de, tellement d'explications. Lui, il n'en avait pas beaucoup non plus, j'ai l'impression. Bah après, je ne pense pas qu'il visait un top 10 non plus. Je pense que ça ne l'intéressait pas forcément. Et il s'est dit, bah, je vais tenter un truc. Quoi. En tout cas... Ouais, euh... ouais, ouais. On nous dit dans le chat, Titien, tu as ton fan club, Réré -Ré du Bronx, qui nous dit Titien, tu nous avais manqué. Euh, ah, et, pour parler, la famille. <laughs> et pour parler un peu plus de la course, euh, Tony qui nous dit Pétersen, Pétersen, pardon, ne pouvait sans doute pas tenir Vanderpool s'il n'avait pas anticipé. Mieux vaut tenter le tout pour le tout si les chances ne sont pas de son côté. Et Starlos qui nous dit. Euh, Jorgensen et Pedersen sont les seuls à avoir suivi d'épée dans le Kopenberg, vainqueur des deux dernières classiques, problème, les deux ont explosé, euh, moi messieurs et ça va nous permettre de faire le pont avec euh, la Visma il euh, y a quelque chose que j'ai pas compris parce que, alors, Pedersen il réattaque avec Vermis sur le, le porte-bagages alors qu'ils sont dans un groupe euh, à l'avant, qui est parti Vanderpool fait le jump dans un mont non pavé pour, pour les rattraper, derrière ça ça tergiverse un petit peu à l'avant, et là, Pedersen décide d'en remettre une. Si vous regardez bien à ce moment-là, à la tête du groupe qui laisse partir Pedersen avec Vermeer, c'est euh, Benot, et juste à côté de lui, il y a Van Barle. Et Benot, il regarde, il les voit partir, il tourne la tête derrière, il voit que ça ne réagit pas, et il ne fait rien. Et moi, quand j'ai vu ce coup partir, je me suis dit, en fait, Pedersen, ok, c'était chelou ce qu'il a fait, mais imaginons que derrière lui, il est genre un Benot ou n'importe quel autre coureur. A deux, c'est pas 20 ou 25 secondes qu'ils prennent. Ils peuvent peut-être même aller prendre une minute, on ne sait pas. Et alors je dis pas que ça leur permet de gagner, mais c'est une autre course. Euh, mais je ne comprends pas que la Visma qui ait fait la course de mouvement, qui avait un de Barle, qui avait l'air pas trop mauvais euh, en... enfin, hier, alors qu'on l'attendait vraiment pas forcément. À... Enfin, il a déjà fait des perfs bien meilleurs, Van Barle, on le sait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même été à la Moi, de la course. Trouvé... Je pas trouvé exceptionnel Van Bahl. Non, mais enfin, on, sa on, on savait qu'il allait pas être très bon, mais au moins on l'a vu. Je veux dire, on aurait pu ne pas le voir du tout. Benot, pour moi, à ce moment-là, il doit sauter dans la roue parce qu'on sait que c'est Jorgensen qui est leader, il est derrière, il est au chaud il va revenir. C'est quand même fou de laisser partir Mats Pedersen à ce moment-là sans emboîter le pas. C'est une erreur pour ma tactique de la Visma à ce moment-là qui est. À ce moment là pardon qui est terrible et en plus derrière on les voit aussi repasser quelques relais parce qu'ils veulent pas que ça parte trop devant je comprends pas comment quand tu es à l'avant que tu as deux gars à ce moment là que tu vois pedersen qui part tu sautes pas dans la roue et même peut-être les autres gars qui avaient dans l'échappée devant aussi quand tu as fait un coup comme ça avant euh, au moins envoyer un ou deux secondes couteau pour faire rouler et fatiguer encore plus Vanderpool ce qui était quand même un des objectifs quoi mmh. Je, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient déjà cuits à ce moment-là, en fait. Enfin, je... Benoît, il, il est là au bout de la course sur ses qualités d'endurance, mais j'ai l'impression qu'en fait, dans tous les cas, il y, y a les réserves dès à 100 km de l'arrivée. C'était déjà bien entamé. Ils avaient tenté leur coup tactique avec Ivan de ça a pas marché. Ils se sont dit bon, bah, ça va pas le faire, parce que derrière, on... je pense qu'ils ne pensaient pas l'équipe alpesine aussi, aussi, aussi forte. Et, et à mon avis, ils se sont dit. Euh... Bon, euh, si on repart maintenant, on va prendre 15 secondes, même, euh, même, euh, même si on est avec Pedersen et derrière. Euh, enfin, Puis petit Benoît, tu vois, il n'a jamais fait podium du round. Donc, euh, peut-être qu'il n'avait pas envie non plus de tout tenter, lui, contrairement à Mats Pedersen, qui a déjà eu les, les, les places de 2 et de 3 pour, pour aller gagner. Je ne sais pas, finalement. Euh, je trouve quand même qu'à part ces timides tentatives, enfin, timides, il y a quand même eu des tentatives, mais il n'y en a pas eu non plus énormément. Euh, personne n'a couru pour gagner, parce que finalement, à part Mats Pedersen, encore une fois. Personne n'avait vraiment cette ambition de gagner la course, cette impression que j'ai eue. Tous les autres adversaires, un podium, c'était déjà pour eux un, 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 un résultat énorme, quoi. Donc moi, j'ai plus cette impression-là que, ouais, voilà, on n'aurait pas, on n'aurait pas pas tenté le diable pour pour tout perdre ensuite. Bah après, euh, il me semble que, enfin, c'était les commentateurs néerlandais qui disaient que Van der était là pour s'échauffer pour le pour le, le Paris Roubaix. Et euh, qui prenaient de la caisse et que c'était l'objectif de, de l'équipe. Bon, après, je sais pas quelles sont leurs sources, mais euh, c'était <laughs> ça. Mais moi, j'ai le truc qui, qui m'a le plus euh, choqué, c'était que les deux grosses forces tactiques qu'on avait annoncées, euh, la Trek et euh, la Visma, bah, pour moi, ils ont fait. Ils ont vraiment pas, pas du tout bien couru. Et enfin. Euh, bon, euh, t'as l'impression que la Visma, quand ils ont pas quelqu'un qui a. qui est un peu une. enfin, qui, qui est. Un pied au-dessus, enfin qui est au-dessus, ils ont du mal à, à fonctionner tactiquement. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Je pense que la Visma fait l'erreur à ce moment-là et la deuxième erreur qu'on voit aussi. On revient sur lui. Euh, et Inigo nous le dit dans le chat. Euh, Jorgensen a essayé de suivre. C'est l'erreur de Jorgensen qui met le premier coup de pétard là, plus de 100 bornes de l'arrivée. On se dit, mais Vanderpool, on en a parlé au début, mais on doit lui Moi, je, qui, qui, je suis pas ultra fan de ce coureur, je dois lui de reconnaître un truc il a vraiment passé un cap tactiquement on l'a déjà vu l'an passé sur Bilan sans Remo Là, vous avez vu quand même le gars il n'a pas levé le cul de sa selle alors ça fera peut-être le lien avec le troisième point on a déjà parlé mais il faudra qu'on parle de son équipe parce que dans la deuxième preview que vous aviez fait avec Adrien l'update post-chute euh, après, à travers la Flandre, on avait dit euh, en plus, il a peut-être pas l'équipe euh, la meilleure Vanderpool, si on va le taquiner, il y a moyen de etc., etc Son équipe a été ouf, mais lui a couru à la perfection. Le seul coup de cul qu'il met, c'est pour rattraper le groupe qui est devant lui. Il le met dans un moment où en plus, voilà, c'est pas un mont pavé, il prend pas le risque de chuter ou d'avoir un ennui machin. Enfin, c'est c'est parfait ce qu'il nous fait. Et à l'inverse, Jorgensen, qui était quand même le leader de la Visma qui est en méga forme pour moi. Si j'avais été son DS, j'aurais dit on va y avoir Benoît. Devant, il va y avoir machin là. Toi, tu as un truc à faire, c'est la roue de Mathieu Vanderpool. Et s'il te lâche, il te lâche, c'est pas grave. Mais euh, au vu de tes qualités de grimpeur, au vu de comment tu gères le truc aussi, tu peux passer les monts. Alors, Jorgensen, c'est pas Tadei Pogachar, mais je veux dire, pour moi, il a des qualités plus similaires à un Tadei Pogachar qu'à un Mathieu Vanderpool, c'est-à-dire peut-être un peu moins puissant, mais, euh, mais capable, notamment sur, sur, avec ses qualités de grimpeur, de mieux passer les monts un petit peu plus longs. Et, euh, et je trouve qu'il a lui aussi grillé des forces beaucoup trop. Tôt dans la course, quand à côté de, de lui, tu avais Mathieu Vanderpool qui se faisait attaquer de toutes parts, mais qui était en mode "bon, il me reste deux équipiers, moi les gars, euh, je reviendrai quand il faudra revenir, mais, euh, mais je vais pas me cramer trop tôt, quoi. Et j'ai trouvé qu'ils avaient, notamment sur ces coups-là, enfin, moi j'aurais jamais envoyé Jorgensen en première carte ou, ou mettre un, un coup de pétard à plus de 100 bornes de l'arrivée, c'était impossible, quoi. Ouais. T'as, raison, en fait, euh, non, mais moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où ils ont couru à l'envers. Leur seul taf avant les 80 derniers kilomètres, c'était d'épuiser à la Vanderpool et ses équipiers, de les forcer à faire des efforts. Finalement, le seul qui a pas mis le nez sous la fin, le, qui a pas mis le à la fenêtre, jusqu'à 100 bornes oui. de l'arrivée, bah, c'est Mathieu Van Poel C'est le seul qui, qui, a couru à l'économie, bien aidé. On en reparlera par son équipe. Mais c'est vrai que j'étais très étonné de voir que Jorgensen, c'était le premier à lancer la mèche à un endroit en plus ou derrière, enfin, c'était pas le monde le plus dur. Derrière, t'avais une grosse portion de plat j'ai pas j'ai pas pas tellement compris là les, les, les enfin toujours est-il que voilà on est arrivé dans le final et, et en tout cas tous ces adversaires directs les deux qu'on avait annoncé qui étaient Pedersen et, et Jorgensen ils avaient déjà fait pas mal d'efforts pendant que lui pendant que Vanderpool voilà bah il, il était resté tranquille il avait bien laissé son effort et je suis d'accord il a parfaitement géré mentalement la la petite crise, on va dire. Donc euh, non, non, mais les voilà, les, les adversaires ont un peu couru à l'envers et, et je pense qu'après ces deux tentatives, voilà, on, on a vite compris qu'ils allaient, euh, ils allaient pas tout retenter pour la victoire et que. Enfin moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit une fois ce, cet orage passé, à environ 80 kilomètres de l'arrivée, je me suis dit bon bah. C'est du tout cuit pour Vanderpool, il y a encore trois équipiers, euh, on arrive dans une portion jusqu'au Vieux Quarmont. il va rien se passer, et puis ensuite ce seront les jambes qui parleront. Donc euh, ouais, ils se sont manqués effectivement de, de coordination et je pense de jambes aussi. Et quand tu parlais d'un vent de barle, etc. Mais pour moi, il n'était pas du tout... Euh, pour moi il était pas du tout au niveau enfin Non non, il était pas le enfin, niveau, il a de drone ball quand oui, même. Oui, oui, clair. Le mec euh, il a il a lancé une attaque, ça a duré 10 km, ensuite il a complètement disparu. Euh... enfin voilà, on va reparler des adversaires après mais ils ont tous disparu au fur et à mesure et l'adversité elle a été énormément défaillante donc euh... voilà, Vanderpool a été très fort mais, mais mais il a il a bénéficié entre guillemets de de, de... un peu de quelques faiblesses tactiques je trouve de, de des adversaires et parce qu'encore une fois, je pense que voilà, c'est pas des adversaires qui ont déjà été dans une configuration de gagner un monument. Donc ça, ça doit jouer aussi. Je sais pas si tu veux rajouter un mot, Loïc, sinon on passe à l'équipe Alpesine qui a fait un sacré boulot. Je vais juste répondre à Tony qui me demande si je parle néerlandais. Ah, et tu es avec en Voilà, allez, on vous laisse discuter dans le chat maintenant. Du coup, on disait... Qu'est-ce que tu as dit, Loïc euh, euh, J'ai dit bien sûr que je parle néerlandais. Enfin, il me demande dans le chat euh, en néerlandais si je parle néerlandais, donc je, je lui dis ça. <laughs> en tout cas, euh, Inigo, on arrive pour parler de Garcia Cortina. Ce sera le point juste après l'équipe Alpesine. Euh, Alpesine, on, on va en parler rapido puisqu'on a déjà un peu abordé, mais qui a vraiment montré euh, une grosse force collective qu'on n'attendait pas forcément. Euh, et comme je disais. Euh, vous aviez pu en parler jeudi dernier, c'était peut-être une des chances des adversaires de Mathieu Vanderpool. Euh, au moment où on se dit qu'il devrait être tout seul dans le peloton, peut-être à rouler en tête derrière Pedersen euh, et les groupes qu'il y a devant, Bah en fait, derrière Pedersen, il y a un Alpecin et en tête de peloton pour rouler, il y en a encore deux euh, avec des gars qui sont capables de rouler fort. Van Der Poel l'a dit à la fin euh, Les gars, moi je vous demande une seule chose sur cette course, c'est vous m'amenez euh, au pied du Koppenberg avec les meilleurs derrière, je m'occuperai de clôturer la course. C'est ce qu'il a fait. Euh, et hyper intéressant parce qu'on a vu des équipes où on voit des équipes où il y a plein de grands grands noms. Alors nos disrespects pour les coureurs d'Alpessine, hein, qui sont de, de très bons coureurs, mais à part Krag Andersen, on n'avait quand même pas de mecs qui peuvent avoir de, de belles références sur des courses comme celle-là. Et, euh, et ils ont parfaitement fait ce que leur leader avait besoin. Et c'est aussi pour ça que Mathieu Van der Poel n'a pas eu à mettre, comme tu disais Titien, le nez à la fenêtre avant ce, ce moment-là. Bah, je trouve que oui ils ont enfin le... sur tout le début de course en fait tu les vois ils sont très très souvent en tête et euh, par exemple il y a Axel Laurence qui fait un boulot oui. de dingue enfin il, il... il de toutes les attaques c'est lui qui va chercher les qui va chercher les coureurs et moi je l'ai trouvé super impressionnant euh, bon ils ont tous bossé pour euh, Van der Poel parce que tu vois que je crois que les trois quarts de l'équipe finissent pas la course mais euh, en tout cas ils ont fait leur boulot sur les avant de lancer sur une piste euh... enfin, de D'atterrissage, ils ont fait un super super boulot quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais rien à dire sur l'équipe, sur l'équipe Ils n'ont pas paniqué. Voilà, ils n'ont pas réagi du, du, du tac, au tac à toutes les attaques. Ils ont fait également ce qu'il fallait, c'est-à-dire en anticipant, en envoyant un Gianni Vermersch, qui était sûrement une des meilleures cartes de Vanderpool sur cette course pour aller contrôler euh, directement les les Pedersen ou autres. On a vu Axel Lawrence également qui se glissait. Enfin voilà, il y avait toujours un Alpecin qui, qui allait se glisser dans, dans l'échappée qui partait et puis encore trois quatre autres pour rouler avec Vanderpool. Donc euh, voilà, euh, il fallait amener Vanderpool au pied du vieux Quarmont. Ils ont magnifiquement euh, brillé là-dessus. Ils ont voilà, ils ont cassé toutes les velléités offensives des adversaires, et ce même en, en début de course, parce que moi j'étais très étonné que ce soit ce type d'échappé qui, qui parte là à 250 km de l'arrivée. Je pensais vraiment que déjà euh, certains placeraient des pions ou, ou tenteraient d'embêter Alpecin, Et voilà, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc euh, voilà, euh, une équipe qui rassure, sachant qu'ils n'avaient pas encore Jasper Philipsen en plus, qui serait une autre carte pour Roubaix. Euh, voilà. Euh, les de saison de Paris. Le favori de Paris roubaix Jasper Philipsen, voilà, je vous le dis. Bah, on en reparlera on en dans en la parle, preview, hein. mais... On en reparlera. <laughs> euh, on enchaîne Garcia Cortina et même l'équipe Movistar qui s'est finalement retrouvée être ultra offensive avec oyar Lascano et Garcia Cortina euh, bah, dans un moment un peu décisif de la course. Hein, parce que celui qui met la première banderie, alors c'était rigolo, parce que les deux maillots, celui de champion d'Espagne et celui de champion du monde, on les voyait bien sortir au milieu des, des autres, c'est Lascano euh, qui... qui attaque. Euh, je... Si c'est dans le Paterberg ou dans le vieux Coarmon, euh, devant Mathieu Vanderpool qui le rattrape, puis finalement il passe pas trop mal. Et puis petite anticipation avant le Copenhagen de Garcia Cortina qui arrive à prendre une bonne vingtaine de secondes, quasiment. Euh, et puis bah voilà, euh, on ne sait pas si c'est un saut de chaîne ou autre. En tout cas problème mécanique, il est obligé de passer à pied. C'est aussi peut-être un peu pour ça que d'autres gars passent à pied derrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir utiliser toute la largeur de la route qui n'est pas extrêmement large. Du coup ils se recentrent et puis on se rend compte qu'à moment là bah, tout le monde passe à pied à part vanderpool jorgensen et pedersen euh, dommage c'était une belle belle tactique et euh, Sans dire qu'il allait gagner, Garcia Cortina, euh, bien au contraire, mais j'aurais bien aimé euh, le voir parce qu'il avait l'air en jambes euh, et voir en tout cas comment ce coup aurait pu évoluer. Euh, Est-ce qu'il aurait pu réussir à sortir avec Mathieu Vanderpool en haut du, du Poppenberg ou pas euh, Voilà. En tout cas, belle anticipation et ça fait plaisir de voir la Movistar euh, bah briller sur ces courses-là. L'année dernière, ils avaient Jorgensen, enfin briller, présente en tout cas. L'année dernière, ils avaient Jorgensen qui est parti. On se disait ah bah peut-être leur manquer un petit peu de un petit peu de mato. C'est finalement, bah, on, on les a vus hier à l'avant, et s'il n'y avait pas eu euh, ce, ce problème technique, peut-être qu'on qu en parlerait encore plus ce soir. Bah, briller, c'est quand même un, un très grand mot. Oui, Mais... j'ai un peu abusé euh... sur briller, je suis d'accord. Présent, présent, on peut dire présent. Euh, ils ont été présents, et ça, c'est super important. Après, et plus euh, décisif que les que... jumbo, tu vois. Oui, bon, après, vu la course, c'était pas, compl... pas très compliqué. <laughs> Alors, je rigole. Mais euh, non, c'est pas bah, la movie star. Euh, il me semble que sur Cortina, c'est parce qu'en fait, il n'a même pas de saut de chaîne. C'est juste que. Alors, l'impression que, de... que j'avais, c'est qu'en fait, il a... il a dû patiner sur les, sur les pavés. Il a dû, il a dû avoir l'impression qu'il avait déraillé. Mais en fait, euh... bon, ah. s'il avait, cyclocross... avait été cyclocrossman, il n'aurait peut-être pas paniqué. Ou... Bon, je pense qu'en effet, il a eu une super inspiration d'anticiper. C'est vraiment dommage qu'il n'arrive bah, qu pas à le passer. Euh, après, euh, il a un petit historique de, de boxeur aussi. Euh... Enfin, J'ai entendu oui. ça dans le podcast de Sevan Barl justement qui parlait de ça où en fait il s'était retrouvé à frapper un, un coureur de la Visma sur la semaine dernière, un truc comme ça donc bon. On euh, parle entre... en embrouille avec les movie stars en règle générale, hein. Quintana aussi, les histoires de Tramadol. Là. Ouais, ouais Mais... ils ne s'apprécient pas énormément je l'impression <laughs> il faudrait peut-être que j'aille voir sur... il faudrait peut-être que je multiplie mes sources parce que si... Euh... Ils commencent à écouter que leur podcast, la movie star, je vais plus pouvoir les voir là. Oui, en gros, ils disaient aussi qu'il y avait eu un bruit avec Quintana, qui l'avait empêché de se mettre dans la roue de je sais plus qui là. et après, En effet, petit drama dans le peloton. enfin, je sais pas si t'as fait. Non, non, vas-y. Non, rien à dire. Après, Garcia Cortina, il s'est montré. Euh, bon, il sort vers 10-15e position du Copenberg et il finit, euh, il finit très long la course. Il finit à 26e place à 2,40. Donc, euh, j'ai envie de dire que c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'on a vu que ceux qui avaient. Enfin, j'ai envie de dire qu'en fait, euh, peut-être qu'il aurait beaucoup plus explosé s'il avait fini avec Vanderpool et essayé de le suivre par la suite. Je ne sais pas, mais. Mais toujours est-il que Jürgensen, il finit à 7 secondes de, de Vanderpool euh, au sommet du Copenberg et Pedersen à 30 et les deux, ils, ils finissent très très loin à l'arrivée. Donc, euh, ouais, je ne sais pas s'il aurait changé grand-chose. Euh, J'ai l'impression que c'était vraiment une course où il fallait pas du tout lancer sa cartouche euh, trop tôt, qu'il n'y avait qu'une seule cartouche possible et, et, et qu'il fallait la garder. Et... Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on voit, hein, tous ceux qui finissent dans le top 10, euh, quasi, c'est des mecs qui ont qu'on a vu apparaître en fin de course euh, donc euh, voilà c'était bien de les voir mais mais oui, de toute façon il leur manque quelque chose pour euh, pour bien figurer au final surtout la Scano qui a dû avoir un problème pour finir aussi loin quand même alors qu'il qui qui semblait solide donc euh, voilà mais écoute la la Movistar qui est quand même une équipe qui existe sur les sur les classiques flandriennes ça fait ça fait plaisir comme nous le dit Starlos, il y a l'ajout de Rollins dans leur, dans leur staff qui n'est euh, qui pas pour rien. Euh, quatre petits points pour terminer, messieurs. Le premier, Bettiol et Teuns. Un rien court pour aller jouer le, le podium derrière Mathieu Vanderpool, rattrapé par un groupe. Et du coup, on peut aussi faire le, le point sur l'absence de coureurs belges du top 5. Et heureusement qu'Oliver Nassen, qu'on n'attendait pas, vient chercher une septième place. On n'attendait plus mal pour la Belgique. Non non ça ouais, fait ouais. vraiment mal pour la Belgique enfin c'est euh, c'est bah, un peu un... ça fait déjà deux ans qui enfin ça fait combien de temps qu'ils ont pas réussi à faire de podium je crois qu'Adri euh, fait... avait dit deux ans dans le preview ouais deux ans c'est la plus grosse période sans podium de Belge il me semble oui c'est déjà euh, arrivé. Les, les copains belges je suis avec vous enfin euh, je souffre avec vous surtout que tout ce qu'on attendait de Vauti mais euh, je pense que l'année prochaine sera meilleure euh, mais non, après euh, pour parler de Bétiol bah, de euh, et de euh, bah, qui, qui se font rattraper, ils se font quand même rattraper à la toute fin. Ça fait un peu mal au cœur de les avoir pu bosser comme ça. Euh, Bétiol n'a pas crampé, c'est-à-dire que. Oui, on s'était bien foutu de sa gueule, ouais. ouais. <laughs> Il n'a pas <laughs> crampé, donc ça nous a fait un peu fermer nos clapets. Euh, pff, non, moi, ça, ça, j'aurais bien voulu les voir finir. Euh, euh, parce que Betjele, euh, il a une belle histoire avec le rond et, enfin, et euh, quand même pour les Belges avoir un podium, euh, enfin au moins un gars sur le podium, c'était super important. Euh, après, moi, je suis très très content que, aussi que Mosato arrive deuxième parce que ça fait un très très bon résultat pour la BNB et euh, je pense qu'ils en avaient, il c'est l'homme en forme euh, du début de saison et je pense que bon, ça, c'était. Euh, c'était pas lui qu'on attendait forcément pour cette équipe, mais j'ai l'impression que c'est lui qui, dans le vu de d'essayer de pas être relégué, c'est un peu lui qui amène tous les points à la maison donc euh, c'est très très positif pour eux. Ouais c'est clair. Bah juste pour revenir sur Betiol et, et Tunes, bah Bethuel, voilà qui a, qui a été très bon en, en deuxième plan. C'est vraiment dommage de pas faire podium parce que tous les efforts qui ont été faits sur cette course, voilà, il avait il avait tout bien fait, il s'était pas dévoilé trop tôt comme il peut avoir tendance à le faire avant d'exploser. Donc il avait pour une fois plutôt bien couru, donc voilà, résultat un peu un peu dommage par rapport à sa débauche et puis Dylan Tunes bah, voilà la résurrection, ça fait un an et demi qu'il avait disparu un peu des, des débats, qui hein, qu'il qu avait eu des problèmes, je crois, en début de saison l'année dernière, il avait du mal à revenir et là il m'a paru très très fort fort. Euh, attention à lui sur la flèche wallonne. Euh, pareil, il y a deux ans, quand il remporte la... C'était 2022 ouais, remporte la, la flèche wallonne. Euh, il était déjà très fort aux rondes. Euh, donc, euh, ouais, euh, attention à lui. Il m'a l'air d'avoir un sacré punch et quand il est en forme, il est très fort. J'ai l'impression que la pluie, c'est également un un truc qu'il aime bien là on se souvient du Grand Bornan en 2021 qui gagne au, au Tour de France donc voilà c'est un coureur qui vraiment passe partout et qui, qui, qui surgit souvent quand on s'y attend pas moi je l'attendais pas du tout donc ça fait plaisir de le revoir à Paris fête et puis ouais être trop, trop content pour arquer à BnB ça fait vraiment plaisir et Mozzato voilà j'aurais peut-être plus attendu sur sur Paris Roubaix et puis faire un super tour des Flandres c'est pareil on l'a pas vu de la course il a toujours été en second rideau mais il s'est jamais fait exploser la caisse et, et il va chercher cette cette magnifique place donc euh, voilà je je sais pas on attendait beaucoup Arnaud Démarre pour les sprints mais mais ouais, euh, à voir pour le Tour de France, parce que si Zato, il reste sur cette dynamique de, de début de saison, euh, est-ce qu'on a envie de le faire, de le faire lancer Arnaud Démarre sur le Tour Moi, j'en suis pas sûr. Donc euh, voilà, bon, le Tour de France, c'est encore loin. Toujours est-il que la Mozzato, voilà, il ramène beaucoup de points pour l'équipe Arkea. Et puis surtout, bah, voilà, mais pour lui, c'est une super performance, ça fait vraiment plaisir. Moi je vois beaucoup, ouais, tour des flancs, des noms sur le podium, ils sont pas ronflants, alors c'est vrai, derrière Van Der Poel, mais, mais c'est des mecs qui sont en forme sur le moment, et je suis vraiment pas sûr que si tu rajoutes un, enfin, la course aurait été différente, mais que tu rajoutes un Steven ou un Van Hart, enfin... Moi, il n'y a rien qui me dit aujourd'hui que Steven et Van Hart, ils auraient été meilleurs que. Enfin, ils n'auraient pas terminé dans ce groupe pour la, pour la deuxième place hein, sur leur niveau de début de saison. Donc, il euh, n'y a, à... enfin, a rien à rabaisser sur le, le, le podium. C'est des mecs qui ont été très, très forts dans ces conditions, qui ont parfaitement géré leur course. Donc, euh, bravo, Luca Mozzato. Moi, je trouve que ça fait hyper plaisir de, de voir un mec comme ça récompensé. Je suis pas sûr qu'un jour, il arrive à, face, à faire mieux sur un, un monument. Donc, euh, voilà, ça fait très plaisir. Petit point pour terminer, Matthews euh, déclassement. Alors euh, on l'avait dit, il avait peut-être été trop gentil avec Philippe Sen sur Milan-Saint-Remo. Là, il nous a fait un vrai sprint de surfeur lui aussi. Euh, et finalement, voilà, il aurait pu enchaîner un deuxième podium sur, sur deux monuments. Et puis à noter quand même une équipe qui était l'équipe vainqueur sortante de l'an passé, UAE, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et qui nous met Nils Polite en troisième position, Michael Bierg, qu'on a vu bien à son avantage, en quatrième position, et puis Antonio Morgado, le jeune, la révélation surprise, même, on peut dire, sur, sur cette cinquième place. Donc, trois coureurs dans le top 5. Très belle course du UAE. On n'a quasiment pas vu aussi à l'avant. Bah, ils ont couru assez intelligemment. C'est un peu... Enfin... Et ils, sont, ils ont pas trop montré leur nez et ils, ont réussi à, ils étaient en surnombre. À la fin, moi, j'étais vraiment surpris d'en voir. Enfin, je me suis dit, mais d'où est-ce qu'ils sortent tous ces, tous ces maillots blancs <laughs> mais, euh... Et d'ailleurs, Miss Polite, on m'avait dit, ah non, mais il est trop vieux, il a jamais fait de résultat. Finalement, il fait troisième. J'étais assez, assez content de mon, de mon prono. Euh, malheureusement, il était un peu trop cher sur euh, la Sacred Fantasy, donc je l'ai pas mis. Donc Je le regrette amèrement. <rire> mais <rire> euh, non, il a fait... Oui, pas. Euh, bah, bah, et pour Mathieu, bah, bah, il se fait déclasser, c'est dommage pour lui. Après, il fait un, il fait un bon début de saison, mais bon, s'il s'est fait déclasser, c'est aussi pour une raison. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord, bah, voilà, Mathieu, il fait deux, deux sprints de monuments, euh, quand même deux sprints assez irréguliers, on va dire, donc, bah, là, il était normal. Surtout celui-là, il a quand même traversé la fauchée, là, la... enfin, il, j'allais dire, il a, il a traversé la chaussée, il a failli, il aurait pu faucher tout le monde, ça avait pas été le cas, mais, mais ouais, je sais que c'est dur pour lui après une course aussi dure, mais, mais si on sanctionne pas de choses comme ça, au bout d'un moment, euh... Voilà, on, on laisse la porte à, à beaucoup de choses, donc euh, voilà, c'est malheureux pour lui, mais, mais c'était un mouvement qui était dangereux. Et on a eu de la chance qu'il n'y ait pas de coureur euh, qui puisse, qui était en train de le dépasser à ce moment-là. Ça aurait pu être euh, très grave sinon. Et puis, ouais, euh, UAE, ils ont parfaitement géré. Je pense qu'il, voilà, Nils Polite sur un podium, euh, ça fait depuis 2019 avec euh, son final sur Paris-Roubaix avec Philippe Gilbert, qu'on ne pas vu. D'ailleurs, il sera à surveiller hein, sur, sur Paris-Roubaix, Nils Polite, parce que je pense qu'il n'était pas hyper avantagé par, par Simon ouais. Pavé et puis surtout euh, Antonio Morgado. Euh, pour l'anecdote, hein, ça fait 80 ans de depuis 1944, qu'il n'y avait pas eu un coureur aussi jeune qui était sur un, dans un top 5 de monuments c'était Rick Van Steenbergen le, le dernier, donc saisir. Enfin, c'est hyper rare quand même que des coureurs jeunes soient, soient à ce niveau-là, surtout sur une course aussi dure avec de. Enfin là, pour le coup, c'était vraiment les capacités d'endurance et de résistance pure là sur une course euh, sous la pluie et tout qui était mise en avant. Et normalement, ce genre de coureurs, bah, on voit des Lorenz Pitti, il a explosé, etc. Des, des très jeunes coureurs qui, qui, qui même, tu vois, jorgensen qui est encore jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience des monuments, bah, qui a payé ses efforts et. Et voilà, il a une sacrée gestion de son, de ses efforts. On l'a vu depuis le début de saison. Il est là sur toutes les courses, donc ouais, c'est un crack, Antonio Morgado. Et je pense qu'on va le revoir sur plein de types de courses. Il m'a pas l'air d'avoir un profil hyper défini. Enfin, il a l'air de savoir faire beaucoup de choses. Donc bravo à lui. Et puis pour rester sur les jeunes. Mention également à Magnus Sheffield, je suis très content parce qu'il coûtait cher à Cycling Fantasy à 600, mais j'avais quand même rentré dans ma compo et il m'a rapporté beaucoup de points. Donc euh, non, je suis voilà, c'est un coureur que j'adore, que je suis depuis euh, depuis tous les, les très jeunes, qui avait fait remporter la flèche Brownson à, à 19 ans et, et voilà, qui fait une, également une, une sixième, 6 euh, ou septième place, place, je crois, sur ce sur ce round. Donc euh, voilà, les, les jeunes sont sont là et on, on, on voit qu'il n'y a il y a pas besoin aujourd'hui, ce qui était très rare il y a 10-15 ans, de d'avoir euh, l'expérience des courses et, 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 et le, et enfin voilà, cette endurance quoi, acquise avec l'âge pour pour briller. Donc euh, voilà, il y a des, il y a toujours des, des nouveaux cracks qui émergent et ça fait euh, ça fait bien plaisir. Très bien, messieurs. Et ben je pense qu'on peut clôturer cette page ronde 2, Sauf si vous voulez ajouter quelque chose et passer au tour du Pays Basque. Un Alors, Dernier, dernier petit truc. Ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. Juste les groupes à FDJ... Euh, ah ouais, non, il faut en parler. Il hein. faut. Chute si, de Kung, Kung, si Kung tombe pas, je pense qu'il était en super patte et il, était en super, il pouvait, je pense, viser le podium. Euh, après, Madouas, il va falloir en parler. Au bout d'un moment, il, ah, il, annon il, il annonce son plus gros objectif de la saison. J'ai pas l'impression qu'il finit euh, en très bonne position et on l'a pas vu, avoir, on a vu à aucun moment pendant la course. Enfin, il a été transparent. Je trouve que Valentin Madouès, il finit 16e ou 15e, je ne sais plus. Il avait annoncé euh... la victoire, en plus, potentiellement, dans son interview d'avant-course. Ah ouais, non, mais c'est ça, moi. Enfin, je, je suis un peu énervé par rapport à ça parce qu'il y, y a un gros problème chez, chez la, groupe AM, enfin, la groupe AMFDJ. L'année dernière, on arrive sur le Tour de France en disant Ouais, David Godu, on vise le podium, etc. On est loin des, des ambitions. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème de prépa cette année. Valentin Madoise qui dit Ouais, je suis dans les meilleures jambes de ma vie. Enfin, là, je viens carrément pour la victoire. Enfin, alors que beaucoup de mecs, quand même, annonçaient le, le podium. Euh, le gars, enfin, il n'est pas du tout au niveau euh, attendu, en tout cas, de, de lui. Alors, certes, c'était. Voilà, la concurrence est de plus en plus rude, mais, mais j'ai l'impression qu'entre les propos qui sont tenus par l'équipe et, et surtout la préparation à ces grandes courses, il y a, enfin je sais pas, il me semble qui qu avoir un, un, un petit problème, donc euh, enfin moi je suis à très déçu, c'est pourtant une équipe que j'aime bien. Valentin Madouas c'est un coureur que j'aime beaucoup, mais, mais là enfin entre le discours tenu et ce qui est montré depuis le début de la saison, c'est 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 pas possible en fait, donc je ne sais pas si ça vient de la prépa, s'il si y a quelque chose, mais mais toujours est-il que voilà, Valentin Madois, on est en droit d'attendre quand même mieux de lui, surtout après avoir justifié un début de saison en dedans en disant que c'était une préparation pour tout miser sur le Tour des Flandres. Enfin voilà, en tout cas l'objectif est passé maintenant et il va vraiment falloir se, se remobiliser pour, pour les cadres de l'équipe parce qu'il voilà, y a, a Paris-Roubaix qui arrive, il y a encore d'autres classiques et, et la campagne en tout cas de, de, de Flandrienne, je la trouve assez, assez décevante. C'est un thème récurrent, j'ai l'impression chez la groupe FDJ d'annoncer des très gros trucs et finalement euh, bah, euh, ils sont pas là quoi. Mmh. En tout cas, oui, c'était un... Moi j'avais en... quand j'ai entendu ces propos, je me suis dit Wow bah, Le mec qui vise la victoire, et je rappelle, hein, il y a quand même deux ans, il, il suit Pogachar et, et Vanderpool dans les monts, quoi. Et là tu te dis, waouh, wow, ouais, bah, si là il nous dit que c'est les meilleures jambes de sa vie, il y, y a moyen. Et puis, euh, puis en effet, un petit peu, un petit peu décevant. Euh, on passe au Tour du Pays Basque Sarah qui nous parle du Tour des Flandres féminin tout à fait euh, qui, il va oui. être abordé dans un épisode de La Petite Reine qui a été enregistré, euh, Loïc si tu, tu veux teaser un petit peu euh, voilà euh, qui va en être dit euh, très bientôt bah, on va dire que la course féminine a juste été incroyable enfin, <laughs> j'ai vraiment été beaucoup plus content de regarder la, la course féminine que masculine Et euh, on a eu euh, des Lidl Trek euh, étincelantes, on a eu euh, du suspense jusqu'au jusqu bout. Euh, on a eu une demi-voloring à faire le chasse-patate qui était en super forme. Euh, Roy qui, qui fait des contres, tout. on ne sait pas d'où ça sort. Franchement, il faut aller regarder cette course. C'était un, une leçon de vélo, je trouve. <laughs> Ok très bien, je crois que le teaser est parfait. Alors messieurs, il nous reste un petit quart d'heure, on s'était dit qu'on essayait de faire une heure pour parler de ce tour du Pays bas qui arrive avant de lancer au niveau du parcours et de l'étape puisqu'on a eu une première étape aujourd'hui, ce petit chrono de 10 born qui était annoncé où on a vu quand même des choses un petit peu farfelues, on en profite pour donner un petit message de soutien à Tom Pitcock qui a chuté euh, lourdement pendant la, la reconnaissance et qui est parti à l'hôpital, on espère que tout va bien après la chute de la semaine dernière, malheureusement ça s'enchaîne. Euh... Je disais oui, n'hésitez pas également à aller nous suivre sur les, les réseaux sociaux pour voir les articles de la Reda qui nous ont fait, pareil, une super semaine euh, pré euh, Tour des Flandres, là, à nous raconter des histoires de, de tous les côtés, de Jacques Durand, de... Chavanel, etc., etc. Enfin voilà, surtout n'hésitez pas à aller, les, à aller nous suivre sur ces réseaux-là pour pouvoir lire des articles faits par euh, Matt et Simon qui sont euh, géniaux. Donc, euh, donc voilà. Messieurs, tour du Pays basque, deux choses. Première chose, un plateau exceptionnel, peut-être le meilleur plateau de favoris euh, qu'on va avoir euh, avant le, le Tour de France. Et puis euh, ensuite, euh, potentiellement, voilà, parler aussi de, de cette première étape qui a eu lieu aujourd'hui. Je ne sais pas par où vous souhaitez commencer. Je pense qu'on peut commencer par l'étape du jour qui va nous permettre d'embrayer sur les favoris vous pouvez le voir Primoz Roglic vainqueur alors moi toujours, hein, toujours du nez dans Cycling Fantasy je prends euh, Remco je prends euh, Jonas mais je prends pas Primoz alors que voilà vous, vous connaissez ah, mon, mon amour pour lui et il vient claquer le chrono en excusez du peu se trompant à l'arrivée hein, je pars à droite au lieu d'aller à gauche et je mets quand même 7 secondes au gars qui est derrière moi euh, et puis derrière voilà Jay Vine dans la très belle équipe UAE qui est, qui est mise sur ce tour avec Juan avec Ayuso quel 3 troisième remco quatrième Jonas 5e qui évite vauquelin encore présent comme il avait pu l'être sur euh, sur euh, voilà euh, la course est lancée on sait qu'on a en effet deux très beaux noms qui sont présents qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette semaine je vais tranquillement faire euh, dérouler les étapes euh, pendant pendant qu'on parle de de tout ça et puis euh, et puis voilà c'est parti Titien si tu veux prendre la main je t'en prie. Ouais bah écoute euh, non mais c'est clairement là après le Tour de France je pense en termes de coureur de grand tour là, la plus grosse artiste de l'année ils sont tous là enfin, franchement c'est incroyable euh, écoute sur l'étape du jour attention enfin alors c'est top parce qu'on a l'impression voilà après un Paris-Nice en dedans Primoz Roglic il revient à un super niveau donc ça dans tous les cas je pense qu'il sera un très bon niveau cette semaine vu ce qu'il a montré aujourd'hui euh, moi, je prendrais quand même pas les résultats du chrono comme un enseignement absolu, hein. On se souvient, euh, jurisprudence tiréno-adriatico où, où, Juan Ayuso avait un peu démonté le, le prologue en on s'était dit, ah, est-ce que Jonas finalement, il va pas buter contre Ayuso? Et puis finalement, on avait vu que, bah, dès que il y avait un petit col de 10 km à 6%, Jonas y a été tout seul. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça, enfin. Je... voilà. Le résultat est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui? Roglic qui montre quand même une bonne forme. Je pense que ça lui convenait très bien une distance aussi dynamique. Mais voilà, là tu, tu montres la, la, tu vas montrer à l'écran la, la dernière étape, c'est celle sur laquelle tout va se jouer, puisqu'en qu'en gros sur cette semaine on va avoir quoi? À mon avis, les deux prochaines étapes qui vont être un peu pour des sprinters punchers et puis ah, les oui. trois dernières étapes qui. L'étape et... de demain, ouais, je suis d'accord avec toi. L'étape de demain, on peut en parler rapidement. 160 bornes, euh, des petits coups de cul sur la fin, mais euh, on a vu un leader oui, euh... très en forme voilà, aujourd'hui. Ça peut être pour lui, quoi. Et, et celle du lendemain de, de, de mercredi, je pense qu'il y a un petit col, mais qui est pas Qui ouais. compliqué sur la fin d'étape. Enfin, en tout cas, voilà, je pense pas que le général va se jouer sur les deux prochaines étapes. Je pense que ça va plutôt être pour des, effectivement, pour les, pour des mecs qui vont un peu vite au sprint et qui savent passer les bosses. Euh, mais voilà, les trois dernières étapes, effectivement, sont, sont, sont très, très difficiles. Et puis, surtout, la dernière. La dernière, c'est une masterclass chaque année. Ils la ressortent et, et elle est vraiment super belle. Et, et en fait... Euh, tu vois tu peux avoir les écarts que tu as avant cette étape tout peut être remis en cause parce qu'elle va être vraiment vraiment très difficile donc voilà, dans tous les cas, euh, le... bravo à Primoz Roglic, derrière, ce qui va être super intéressant, c'est pour moi, c'est quand même qu'ici, on a trois des quatre prochains grands favoris du Tour de France qui sont présents, et j'ai hâte de voir sur ce, sur ce parcours euh, qu enfin, voilà, ce qui peut se passer. Est-ce que déjà, Jonas Vingegaard voudra écraser la course et dire à, à Roglic et Evenepoel, « Bon, les gars, mon seul adversaire, ce sera Poggi, et encore, vous, en tout cas, vous vous battrez derrière pour la troisième pour la place, c'est peut-être ce qui est possible euh... ?» Ou alors, est-ce que, voilà, un Primoz Roglic il va te... Enfin, il... est-ce que, voilà, Roglic et Evanopoul vont vouloir mettre de le doute à Jonas Vingegaard En tout cas, moi, si j'étais le Danois, j'essaierais d'écraser la course le plus possible pour, déjà, que mes adversaires se disent, bon, ok, il est, vraiment... il est vraiment injouable. Donc, en tout cas, il va y avoir des sacrés enseignements, et puis derrière, il y a tout un, un lot outsider qui va être sympa à suivre sur cette course. Bah, je pense que... Bon, j'espère que Vingy va, va pas nous... On va pas oublier la course dès le début. Euh, j'espère, enfin, j'espère que aussi que la Cofidis 10 va faire quelque chose. J'ai l'impression que Isagre était un peu, était en bonne forme et je pense qu'il y a être il pourrait essayer de viser, enfin, ramener la première victoire pour Cofidis, 10 ça leur ferait vraiment du bien. Et puis, euh, bon, tonton, euh, il gagne il un, un prologue qui fait euh, 12-13 minutes. On va quand même, on va attendre les grands cols pour, pour essayer de de dire s'il est en forme ou pas. Après, c'est toujours, toujours un bon signe. Hein. Et après, bon, Remco qui tombe dès le début aussi. Il tombe, oui. il fait une petite chute. Euh, je ne sais pas à quel point ça a impacté son, son contre la montre. Euh, et surtout que je pense que ce qui va vraiment être important pour lui, c'est de voir comment il se comporte à côté d'un Vengayard et d'un Roglitz sur, sur les grosses étapes de montagne. Je pense que ça va vraiment être un, un enseignement assez intéressant euh, pour le Tour de France. Même si je pense que sur une semaine, ça peut parfaitement le faire pour lui. Euh, je pense que c'est plus en deuxième et troisième semaine qu'il va vraiment souffrir. Donc euh, à, à voir. Mais euh, je, pense que la, enfin, je pense que sur une semaine, ça, ça peut vraiment euh, très bien le faire pour lui. Et la, la grande vérité se fera sur, sur le contour. Inigo qui nous demande en effet si on peut tirer des conclusions pour le Tour de France. Bien évidemment, non, et ce pour deux raisons. Déjà, c'est une course d'une semaine. Et c'est sûr qu'en termes de parcours, euh, le Tour du Pays Basque, c'est peut-être la course d'une semaine qui est la plus éloignée d'un grand tour, parce que c'est avant tout une course pour punchers. Euh, comme l'a dit Titien, la dernière étape. Euh, elle est hyper intéressante, mais quand on regarde la dernière étape, euh, alors on n'est pas tout à fait sur une ardennaise. C'est quand même plus long et plus difficile. Mais je veux dire euh, les, les montées qui sont compliquées. C'est euh, voilà du, du 4 km à 9%, euh, du 3 km à 7%, du 5 km à presque 10%. Oui, c'est c'est difficile, mais c'est pas ultra long et c'est pas des profils en effet de haute montagne avec des cols qui dépassent les 15 bornes. Euh, en effet, il y a d'altitude hein, puisque notamment sur la dernière étape on montera pas plus haut je crois que, que 700 enfin voilà c'est des profils différents mais on sait malgré tout que les coureurs qu'on a cités aujourd'hui ils ont les capacités de briller à la fois sur des courses punchy et à la fois sur des courses où il y a de la, de la haute montagne pour revenir, comme tu disais Titien, sur les trois dernières étapes, alors malgré tout, moi je pense que l'étape 3, et pas à exclure hein. la bosse, c'est n'est pas très dur, on a 6 km5 à 4%, mais le sommet est euh, à 15 bornes de l'arrivée, à peine plus. Euh, si on a déjà envie un peu de, de se mettre sur la tronche, euh, ça peut éventuellement le faire. L'étape de jeudi, euh, l'étape 4, c'est en gros l'étape 3 en plus difficile, puisque la dernière bosse, alors déjà il y a deux dernières bosses, mais il y en a une. Qui arrive dont le, le sommet pardon, est à 8 km de l'arrivée, c'est 3 km à 9%, enfin 8,7%, donc autant vous dire que si vous êtes sprinter, vous avez moins de chances de passer. Euh, l'étape de vendredi, l'étape 5, euh, pareil, on a des fameuses bosses sur la fin, euh, mais euh, on n'a pas encore la grande explication, et puis comme, comme tu le disais Titien, la dernière étape la plus compliquée avec cet enchaînement de bosses, euh, Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de, de coureurs comme Mathias Kelmo, ce qu'on a vu très en jambes aujourd'hui, euh, même de Kevin Vauclin ou autres, qui ont du coup des profils quand même plus puncheurs Est-ce que vous pensez qu'ils vont réellement pouvoir aller se, se mêler à la victoire Même un, un Charman ou autre, enfin, un Charman, il sera équipé de Roglic, mais je veux dire, voilà, tous ces, tous ces profils... Euh on parlait d'Isa Guiré, on sait qu'il réussit bien sur sur cette course. Tous ces profils qui sont pas des grands grimpeurs, mais qui pourraient peut-être même aller chatouiller, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'un Jonas Vingegaard peut taper autant du point sur la table dans une étape comme celle de samedi que que dans les étapes qu'on a pu voir à, à Tirreno Et est-ce qu'il ne sera pas réellement concurrencé sur sur ce Tour du Pays Basque Bah. En fait, il peut l'être et en fait pour moi alors je disais pas ben, effectivement c'est une épreuve différente du Tour de France mais pour moi on va quand même en tirer des grands enseignements parce qu'effectivement tu dis qu'il y a pas de haute montagne, globalement c'est un parcours tu vois, tu penses à Remco Evenepoel, tu dis ah ouais, ça lui convient de fou après oui, aussi. Et si oui. ces deux coureurs sur un tour du Pays Basque se font laminer par Jonas Vingegaard dont on connaît l'aisance euh, sur les grands cols par rapport aux au cols plus courts. Pour moi, ça va en tirer des grands enseignements, c'est que sur les longs cols du Tour de France, quand il faudra monter la bonnette les 23 km à 7% de, de, en fin de Tour de France, il n'y aura pas photo. Si déjà, ils se prennent sur des cols comme ça, une, une mine par Wingegard. Donc, dans un sens, si c'est serré entre les trois, on ne pourra pas tirer d'enseignement. Par contre, si Jonas Wingegard, et moi je pense qu'il va tout écraser, euh, remporte cette étape, enfin moi je vois bien partir tu vois, sur la dernière étape là, dans cette montée. Euh, qui a l'air horrible en milieu d'étape euh, euh, pour aller ensuite mettre plusieurs minutes à ses concurrents. Euh, bah là, on pourra se dire Ah ouais, ok, bon, bah voilà, Ivan Poul, euh, déjà, il ne gagnera pas de course par étape euh, World Tour cette année. C'était un de nos débats de début d'année. Mmh. S'il ne gagne pas celle-là, là, ça va vraiment être très compliqué. Et puis ensuite. Euh... Oui voilà les enseignements ils pourront être là par contre c'est sûr que si euh, Vingegaard y gagne avec 20 secondes d'avance sur Roglic et, 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 et 30 sur Evenepoel euh, voilà ça restera serré mais, mais je pense pas ce qui va se passer et moi je pense qu'effectivement euh, voilà cette dernière étape elle est quand même très très dure et, et Jonas Vingegaard il va, voilà, il va taper du coup du, du point sur la table et il doit le faire en fait pour taper enfin pour faire mal au moral de ses adversaires. Euh, et puis après ouais bah écoute moi Kevin Vauclin écoute il est dans mon équipe Cycling Fantasy parce que je trouve que le parcours il lui convient très bien. Il a fait un super chrono avec cette sixième place. Euh voilà, J'ai l'impression qu'enfin cette année, s'il échappe un peu au problème, il peut montrer tout son potentiel et c'est un excellent coureur. Euh, donc moi, je l'attends. Je serais pas étonné d'un top 10 et ce serait déjà une excellente performance. Étant donné que, étant donné que, bah voilà, la concurrence sur cette course, elle est hyper rude. J'ai hâte de voir également un Juan Ayuso face quand même au, au, au trio magique Roglic, euh, Jonas et, et Remco. Euh, voir si Juan Ayuso, il arrive à parce qu'on parle voilà de, de, dans, de, de ces trois grands coureurs, mais mais tu vois, petit à petit, un Ayuso qui est, qui est à mes deuxièmes de Tireno, s'il si, si, arrive à s'immiscer entre ses coureurs, on pourra se dire qu'au tour, bah voilà, il, il pourra peut-être jouer la doublette avec Pogacar pour, pour faire un peu le jeu d'équipe et mettre en difficulté les adversaires. Donc non, il y a quand même pour moi pas mal d'enjeux, pas mal de coureurs que j'attends, mais, mais je serais pas étonné que, tu vois, Vingegaard s'impose devant un Ayuso et... Héroglitch, et, et ouais bah Kevin Vauclin, euh, moi je l'attends beaucoup, peut-être plus qu'un Romain Grégoire que je trouve encore un peu poussif en en ce début de saison, donc euh, voilà. Et puis comme tu disais, ouais tu l'as cité rapidement, mais ça fait plaisir de revoir un Maximilian Schachmann, là j'ai l'impression qu'il qu traînait sa misère depuis deux-trois saisons et qui est en train de petit à petit refaire des résultats intéressants en ce début de saison. Enfin voilà, quand tu vois qu'il fait huitième de ce chrono, ça veut dire qu'il est en forme. Et, et peut-être, tu vois, sur les deux, trois premières étapes, là, aller taper une étape au, au sprint, ça, ça me ferait plaisir de revoir l'allemand à un top niveau. Non, mais c'est sûr que Vauclin, il, a, il est sur une super pente euh, en ce moment, sur ses débuts de saison. Euh, je pense qu'il peut vraiment, contrairement, tu vois, à Romain Grégoire, vraiment plus viser euh, le général, euh, être placé sur le général. Je pense pas qu'il peut viser un podium vu le, vu le classement. Un top 5 ça serait vraiment déjà exceptionnel. Euh, après, euh, je pense qu'aussi, il ne faut pas... Faut peut-être pas oublier Brendan McTulty. Il a, il a fait un super début de saison. Il, peut il a, a peut-être un peu trop enchaîné à mon goût. Mais euh, il peut. Bon, il ne sera pas là, un candidat pour la victoire finale. Mais pour un top 5, je pense qu'il qu pourrait être là. Très bien. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant ce tour du Pays basque Bah on se fait un petit prono. Ouais, allez go. P euh, prono vainqueur ou prono podium Bon podium, allez parce que vainqueur, on va se tromper. Podium, au moins on aura plus de <laughs> chance d'avoir va un Se tromper <laughs> trois fois. <laughs> ouais. Je pense que c'est. Il faut savoir quel ordre on va mettre ou. <laughs> bah moi, moi, je pense euh, que Remco va exploser dans la dernière étape et du coup je vois un podium, euh, je vois un podium: Vingegaard devant Primoz Roglic et Juan Ayuso. Alors tu oui. dis Vingegaard, Roglic, Ayuso. Ouais. Ok. Loïc, tu veux te lancer ou Vas-y, j'attends ta réponse. Je sais pas. Euh... Moi, je le vois pas exploser, Remco en fait. C'est c'est trop court pour qu'il explose encore. Et c'est pas encore assez haut. Ouais ouais. Euh, non, moi je. Allez, grosse cut. Remco. Euh... Remco Vingegaard, Skelmos. Et je mets Primoz en dehors. Ah ouais. je, vais, je vais rester dans mes convictions puisque je l'ai pas mis dans mon équipe Cycling Fantasy. <laughs> Et on va on va se dire aïe 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 c'est finito pipo. Ou alors il va est ce que je lui souhaite pas hein, parce que je l'adore mais il va avoir un coup de malchance, enfin ouais, allez je dis ça. Remco, Vingegaard, Mathias Kelmose. À qui je, je gâche, pense je cette voilà, étape va parfaitement enfin, ce, ce parcours, cette épreuve pardon, va parfaitement bien. Moi, je vais choisir la sécurité. Hein. On a du' sécurité. Une assurance tout risque. Euh... Je vais prendre Vigne premier, deuxième Primo, c'est troisième euh, Remco. Moi, je... je les vois à peu près dans cet ordre-là. Euh, ah oui, il est à Ah non oh, ouais, je vous ai dit. Ah, bon moi, niveau de risque. Une, cote... <laughs> une cote à 1,0001 peut-être. Euh, je pense que là, on peut pas faire plus, plus sécurisant. Euh, je pense que les... les plus grosses cotes vont plus se faire dans un top 5. Mm -hmm. ouais. Tu rajoutes qui dans ton top 5 euh, Je mets un Brandon McTulty et, et je yep. vais mettre un. Alors là, un. dit entre justement. Euh... Ouais, je calme je, je, mets, je mets cinquième. Ok, moi je rajoute voilà. Ayuso Vauclin. Voilà, mes grosses cotes. Dans mon top 5. Ayuso euh... en dehors du ouais. top 5. Ah ouais. Ah, du top 5 bah, tu, mais, tu... je vous ai dit il va avoir ah, un mais... truc il fait un contre karma là c'est sûr <laughs> voilà. ta, 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 je dis rien de plus je ferai pareil au tour Et de la euh... France il y a, y, a, y a Louis dans le chat qui me demande oui effectivement j'ai Milanda dans mon équipe parce que pour moi sur son niveau du tour du Pays bas ce qui était quand même impressionnant je vais te donner le scénario, il va être très très fort et puis quand Remco va exploser dans la dernière étape, on va lui dire attends, attends, attends Remco et malheureusement il pourra pas jouer sa carte. C'est un peu j'ai peur mais, mais j'ai quand même trouvé excellent en excellent, euh, Catalogne et puis l'année dernière c'était le deuxième plus fort hein, après Jonas Vingegaard au tour du Pays Basque donc moi je pense qu'il sera très fort Mickael Landa mais j'ai peur qu'il soit coincé par le jeu d'équipe en tout cas je serais très triste si on voit que Remco à un moment un coup de moins bien et que l'André est encore placé qu'on dise à Landa bon bah tu t'arrêtes et voilà mais je pense que c'est ce qui va arriver je ce qui va se passer Ouais, je te rejoins totalement là Titien pour moi il va devoir bosser et j'ai dit qu'il arrivait troisième, donc il n'y aurait pas trop de je pense qu'il va devoir bosser au train pour faire remonter Remco qui ne va pas pouvoir suivre Roglic et Evingi sur les gros, grosses côtes. Très bien. Eh bien, écoutez, si on a fait le, le tour, messieurs, euh, t'as dit, oui, dit tes deux derniers, uh, Titien, sur le, ton top 5 euh, Bah, écoute, euh, moi, je vais rajouter en quatrième, du coup, euh, en quatrième, un, un Mathias Kielmoz, et puis en cinquième, un Ion euh, course Pareil, c'est la course de l'année où le mec, euh, il, il se transcende. <laughs> et puis, euh, il, un, peu de, un peu de positif pour Kofidis. Ok, voilà, très il faut bien. Et eh bien parfait, messieurs, dames, comme dit, euh, merci de nous avoir suivis ce soir. N'hésitez pas à lâcher un petit like tranquillement sur cette vidéo pour la référencer le mieux possible. Pareil au niveau des abonnés, sachez-le. Euh, nous sommes pas loin des 2000 donc voilà la, la, la marche n'est pas loin n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne il en reste euh, deux il en reste deux Ça, il en reste deux on les aura pas passés en live ce soir mais voilà vous êtes, vous êtes mmh. pas loin on nous demande s'il y a une ligue radio fringale sur Cycling Fantasy Bah, il y avait une ligue fringale légende avant mais euh, malheureusement euh n'existe pas cette année on n'a pas refait les démarches on n'avait pas trop le temps à la limite peut-être l'année prochaine qu'on qu redemandera mais bien évidemment si vous le souhaitez vous pouvez toujours rejoindre notre équipe euh, cycling fantasy vous nous envoyez un mail avec votre pseudo nous on vous rajoute comme ça vous, êtes, vous faites partie de la canyon belfort wallay équipe incroyable de radio fringale, radio fringale pardon sur cycling fantasy vous pourrez retrouver à la fois les euh, personnes qui sont dans la redac les personnes qui font le podcast des fans des personnes qui animent le chat etc etc donc voilà si vous voulez nous rejoindre petit mail de candidature entre guillemets puisqu'on accepte tout le monde et puis voilà euh, messieurs dames comme dit merci de nous avoir suivis merci Titien merci Loïc pour, pour ce petit live merci beaucoup c'était génial ouais c'était chouette et puis une belle semaine de vélo là qui vient donc euh, c'est c'est vraiment top de ouf, on se retrouve très bientôt euh, concernant euh, Paris-Roubaix ce, ce petit truc qui arrive euh, fin, de, fin de la semaine prochaine euh, petit Paris-Roubaix qui nous attend pendant lequel, euh, donc petite preview qui devrait sortir normalement jeudi soir si tout va bien, donc voilà ne vous inquiétez pas si elle sort pas avant, on a des agendas un peu, un peu remplis pour, pour cette semaine, et puis on se retrouvera forcément à la fin de la semaine pour faire un live de débrief de Paris-Roubaix, peut-être qu'on glissera également euh, le débrief du Pays Basque peut-être qu'on fera le Pays Basque avant, enfin Bref, on vous tient au courant sur YouTube et sur Instagram et Facebook concernant les infos. En attendant pour cette belle semaine de vélo, même si vous avez bien mangé pour Pâques, n'oubliez pas de vous alimenter. On se retrouve tout bientôt, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Ciao, ciao.